Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo simplement les gars, je vais tester pour la première fois de ma vie le 2.6. Alors malheureusement, je pourrais pas le tester en ladder les gars, simplement du coup en arène pour ceux qui connaissent pas trop. Parce que bah j'ai mon cochon qui est level 10, donc c'est assez catastrophique. Donc je me suis dit, on va faire un petit défi classique, on va se faire péter en défi classique. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je joue comme deck. Franchement, actuellement, je joue ce deck là et j'ai 5500 trophées avec un record de 5600 pour ceux qui se demandent. Voilà, j'ai une carte level 14, sinon que du 11, 11, 11 et 11, et après un petit peu de 12, un peu de 13. Bref, c'est parti, on part en super défi, en défi classique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, par exemple, si vous voyez ce coffre-là, bah, je vais l'offrir sur Twitch. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les gars, ma chaîne est en description. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et puis nous, on part directement en défi classique, et je vais vous montrer mon deck maintenant. Du coup, pour ce deck, les gars, c'est tout simplement pris. Alors, j'ai juste mis la reine des archères. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était beaucoup trop fort, etc. Donc j'ai fait ce deck là. C'est un 2.8. Bon, c'est quasiment comme le 2.6. Je sais pas ce qu'il y a à la place derrière des archers. Je sais pas du tout ce qu'il y a de base. Mais il y a peut-être un chevalier en vrai de vrai. Bref, on va tester ça. Franchement, si je fais un 12 victoires, c'est un miracle. Ah, franchement, j'y crois même pas. Bref, je sais même pas ce qu'il faut faire. Je sais même pas comment on joue. C'est vraiment ma première fois avec le 2.6. Je pense qu'on va jouer le golem de glace en fond de map. Oula, je sais pas trop. Oula, il me fait peur là. Ah, c'est un canon qui bouge pas. Oh les gars, je suis trop con. Je pensais que c'était le canon qui a... Vous savez le canon qui a avancé là. Ah les gars, autant vous dire que c'est mal parti. Ah oui. Oh le niveau. Oh le niveau honteux. Oh attendez ça, à gauche. Eh le petit push à gauche qui fait mal hein. En vrai de vrai, le petit push à gauche hein. Et le petit push à gauche qui fait prendre la tour directement. Incroyable. Incroyable. Et là, en vrai de vrai, on va peut-être pouvoir activer la capa de la reine des archères qui peut faire très 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 mal hein, sur la tour du roi. Ah, en vrai, ça va. Elle a été nerf, non, je crois. Hein. Avant, c'était abusé comment elle était forte. Bon. Petit golem de glace en fond de map. On va mettre le petit canon. Normalement, je crois que c'est ça qu'il faut mettre, le petit canon pour défendre. Je sais pas s'il fait si mal que ça. Ce qui est vraiment bien avec les défis comme ça, alors moi, je pensais pas. Je pensais qu'il fallait au moins avoir tes propres cartes level 11, mais en fait pas du tout. Hein. En fait vraiment pas, c'est vraiment cool. Ah ça s'est cassé que bon. Ah ça par contre je peux prendre très cher là-dessus. Hein. Et par contre j'ai pas trop de défense. En vrai la reine elle fait mal. Hein. Aïe. En vrai la reine elle fait très très mal la reine. Hein. En vrai, ça va, on devrait pas prendre trop cher. Ouh, attention, hein. Ok, ok, bon. Oh, franchement, en face, il est pas très fort. Honnêtement, en face, il est pas très très fort. Je vérifie quand même que j'active mon micro, parce que bon, il faut des... Parce que les gars, je ne suis pas en live. Pour une fois, les gars, je ne règle pas en live. C'est en vrai assez rare. Attends, en fait, là, le problème, c'est que... On va défendre ça, normalement, il touche même... Mais il touche même, mais il touche même pas, frère. Mais là il a perdu là, mais moi j'aurais déjà abandonné, vraiment à sa place j'aurais déjà abandonné je pense. En vrai là on va faire mal hein. Ah fais chier, par contre j'aurais pas du tout, ah je voulais pas du tout que ça se passe comme ça par contre. Par contre je voulais pas du tout que ça se passe comme ça là, j'ai peur là. Ça me fait très très peur. Ça j'aime pas du tout ça. Hein. En vrai ça va, on m'a pas trop mal défendu. Franchement le cimetière gel il me fait peur. Hein. Après ça va, c'est pas non plus une pépite en face, on va pas se mentir. Ok, bon. Première game, première victoire, j'ai envie de vous dire. C'est pas plus mal, on a pu commencer à voir un peu comment ça jouait. Ça cycle vite. Bon, après le mec était pas fort. Là, on va passer sur du plutôt lourd là. Là, ça va peut-être pas être la même là. Bon, alors là par contre, ouais, je sais pas trop ce comment on va jouer. Ok, on joue ça en face. Ok, ok, bomber. Ouais, ça joue cochon. Ça joue cochon, ok, ok. Petite bûche tranquille, un peu mal placée, on va dire. Ça va aller. On va directement, je pense, à une contre-attaque avec ça et ça. La capa, je sais pas si vous utilisez avant ou pas.
On va l'activer avant. Je sais pas si c'est le meilleur bail. Ok, je sais, ouais, on a un petit peu touché la tour, bon, rien d'incroyable. On va mettre des petits squelettes pour défendre, on va devoir. Comme ça, on se prend vraiment zéro dégâts et en plus, on cycle notre cochon derrière. On va essayer peut-être de se mettre un petit golem de glace en fond de map, là, tranquillement. On a déjà l'avantage, hein. On a gratté 600 HP sur la tour de gauche. J'aurais peut-être dû boule de feu, hein, parce que ça coûte quand même 3 d'élixir un bomber. Hein. Bon, en face, il a pas l'air de jouer très très bien non plus, encore une fois. Hein. On tombe pas non plus sur les pépites, c'est ça qui est bien. Ça permet de nous traîner un petit peu sur le deck, là. Et là, faire mal, non? Elle tape sur la tour ou pas? Non, même pas. L'électro-sensé, c'est fort, en vrai, de vrai. Hein. Il casse bien les couilles. Hein. Mais on a encore gratté pas mal, là, c'est cool. Tac, petite bûche. Normalement, on prend 0 de dégâts, voilà, tranquillement. On regrette 100 HP, je crois, la bûche, à peu près. En vrai, franchement, je pense que là, je tombe pas contre des bons joueurs. Parce que, bon, si pareil, c'est un deck qui est très difficile à jouer. Je sais pas si c'est le deck le plus difficile, en tout cas, mais ce qui paraît, il est assez dur, quand même. Oula, j'aime pas trop ça, par contre. Ah, j'aime pas du tout ça là par contre. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai rien. C'est que niveau aérien, le deck est peut-être un peu faible. Hein. C'est vrai que peut-être aérien, le deck est un peu faible. J'avoue que j'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est que le deck niveau aérien est peut-être un petit peu faible. Hein. Là par contre, j'ai un peu peur là. Oh, c'est... Ok. Elle est vraiment forte la reine des archers. Hein. Rien à dire là-dessus, elle est vraiment forte. Ça devrait aller, non? Rassure-moi, rassurez-moi, rassurez-moi, rassurez-moi! Oh, je perds trop d'élixir, vous devriez. Ah, ça fait mal. Oh, les petits. Oh non! Oh, on perd trop d'élixir là-dessus. Oh, attendez! Oh, let's go! Wow. Oh my god! Oh, j'étais pas bien. Ah, je parlais peut-être plus trop à la fin là. Oh là là, let's go! On a eu chaud. Ah, le ballon surprise qui m'a mis à un moment, il m'a mis trop mal. Let's go. On va mettre ça plutôt. Ouais, je préfère mettre ça. Comme ça, moi, je peux plus voir ce qu'il joue, etc. Et mieux m'adapter à lui. Oula. Oula, non, me dis pas qu'il joue le deck de que je pense. Ok, il a l'air de jouer le deck que je pense, mais il a l'air d'être pas bon, donc ça va. On va faire une contre-attaque à gauche. Oula, ça j'y avais pas pensé. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. Ok, bon. Ok, ça c'est pas très grave en soi. Ça c'est pas très grave. Comme ça on élimine les petits squelettes un à un. Tac, tranquille, on prend pas de dégâts là-dessus. Non, normalement on prend peut-être un dégât. Ouais, quelques petits dégâts, rien du tout. On a mis un petit peu de... On a mis 600 HP à gauche. Ok. C'est bien joué, c'est bien joué. Ah, je l'aime pas son truc là. On va recycler un cochon, hein, je pense. Hein. Je vois pas ce qu'on pourrait faire trop d'autre. Hein. Bûche en main. Ah non, oula, par contre, ça j'aime pas ça. Oula, ça j'aime pas du tout. Moi qui suis habitué à avoir une tour de l'enfer, je vous avoue que j'aime pas du tout ça. Ah, il passe pas là. Ah, j'ai pensé vraiment qu'il allait passer là. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, je connais pas trop la... Enfin, pas la hitbox, mais vous avez compris. Oh là là. Oh là. Ah, prends une tour là-dessus, je pense. Hein. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas du tout prévu ça. Hein. Aïe, 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 j'ai pas du tout prévu ça. Je pensais vraiment que l'archer allait prendre la grosse sur... Ah ouais. Aïe, aïe. Compliqué là. Ça va être chaud. Rien n'est impossible, on va pas lâcher l'affaire.
Et ça a pas activé. Des fois ça active pas la capa, j'ai l'impression. Hein. Oula, la capa, j'ai peur là. Non, mais je loupe la bûche et tout. Alors, en vrai, cette game là, je mérite pas de gagner de toute façon. J'ai extrêmement mal joué toute la game là. J'ai extrêmement mal joué toute la game, ouais. En plus, il joue un deck. On commence à voir les difficultés de. Ouais, c'est un deck qui est un peu dur à jouer. Après, là, je joue très très mal. Hein. Ouais, là, ça va être chaud. Dans tous les cas, j'ai perdu. Bon, GG. GG, j'ai très mal joué, franchement. Allez, il nous reste encore deux défaites à... Ah non, en vrai, une défaite, ouais, deux défaites à faire max. Aïe, compliqué là. Deux victoires, une défaite, ça commence là. Ça commence à se compliquer un petit peu, on est contre Roumek. Hop là, tranquille, on met là pour casser les couilles. En vrai, ça devrait faire des dégâts un peu là, hein. Non? Ah, mais c'est quoi ça? Oh, ouh, on a eu. Je sais pas si on a eu de la chance ou pas, mais. Bon, en tout cas, ça a pas touché la tour. On va se mettre un petit canon tranquille. Non! Ah! Ah, compliqué là, un petit peu là. Compliqué un petit peu. Ah, ça s'annonce un petit peu compliqué, j'ai envie de vous dire. Là, je le sens pas trop là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça j'aime pas. Ouh, ah, ouh. Ouh, la chance qu'on a eu là que ça prenne l'aggro du canon. Là, je me sens pas bien là. Là, mon deck c'est un 2.8 là. Normalement, ça doit recycler là. 2.6 là. On a mis un peu plus de dégâts, donc voilà, je sais pas comment d'ailleurs, mais ouais. On a mis un peu plus de dégâts. Il nous met ça en fond de map là. C'est vrai qu'il a pas, il a au moins 3-4 d'élixir en plus, hein, ça peut faire attention là. Ça peut vite partir en couille là. Allez, allez, allez! Ah non, dommage, non! Allez, on peut réactiver la capa de la princesse. Ouais, de la princesse. Enfin, en vrai, non, pas de la princesse. La reine des archers. Ouais, en vrai, cette carte-là, elle est à bannir de ce jeu de merde. Hein, vraiment. Elle est trop, trop forte. Elle est forte depuis 10 ans au jeu, frère. J'ai arrêté le jeu, elle était forte, elle est encore forte aujourd'hui. Ouais, c'est trop fort, hein. Attendez, ah let's go, on le réattire là-bas. C'est pas trop mal ça. Ça j'aime bien ça pour le coup. On galère. Hein. Ah il nous casse les burnes en vrai de vrai. Hein. Ah ouais, l'aérien, je trouve le deck est compliqué niveau aérien. Le deck est bien, mais niveau aérien peut faire mieux quoi. Ouais, c'est un bon deck, mais niveau aérien c'est faible. Hein. Après, j'ai sûrement pas très bien joué, donc voilà. Mais en vrai, si je devais donner un petit point faible, je dirais l'aérien quand même est un peu faible à mon goût. On peut faire mal là-dessus avec ça, ouais, ça va être chaud. Hein. En vrai, là, faudrait taper un gros coup, hein. Faudrait faire très mal. Attention, peut-être. Et peut-être là-dessus, ça peut partir. Ça partira peut-être pas là-dessus. Hein.
Ah, la boule de feu, la boule de feu, la boule de feu. Let's go. Merde, mais... Mais wesh. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? What the fuck. Let's go. Putain, what the fuck. 3 victoires, let's go. Allez, allez. On le maîtrise, ce deck. Golem de glace en fond de map, directement. Il perd un élixir. Il perd 2 d'élixir. Il dort sur le PC un petit peu là. On a l'impression qu'il dort. Bah, on va bourrin. Tu dors, peut-être problème de connexion. On sait jamais, on prie. Inch. Ouh, attends, faut pas avoir de problème de connexion là. C'est pas le moment. Et les gars, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est un petit problème de connexion. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Merci, mec. Merci. Ah mais il a qu'à pas, mais du temps à s'activer, wesh. Ah je galère un peu là, hein. je maîtrise pas du tout, je pense que ça se voit. Hein. Je fais des erreurs de malade, des erreurs de placement ignobles. Je fais un peu n'importe quoi et je m'en excuse d'ailleurs. Pour les pros. Ah non, ouais, là c'est compliqué, il joue bien, je joue... En fait il joue bien et je joue mal, donc forcément... en plus, je bref. Franchement, bien joué. J'ai extrêmement mal joué. Et largement, la victoire est devant. Bien joué. Ah, j'ai mal joué de baiser. Hein. Ah, j'ai mal joué de fou. Bref, en vrai de vrai, ce deck est vraiment bien. Mais demande un gros niveau en vrai. Hein, parce que il faut bien gérer, il faut bien cycler. Il faut tac, 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 tac. Vraiment, toujours bien jouer et tout. C'est vraiment la première fois que je le joue. Donc, je pense qu'en vrai de vrai. 5 victoires, ça reste quand même correct. On va s'ouvrir ce petit coffre. Il est petit. Parce que c'est vraiment de la merde. Bref, les gars, si la vidéo vous a plu et que vous voulez que je teste d'autres decks en commentaire, n'hésitez pas à me donner des decks que je pourrais tester en commentaire. Je les teste, je vous donne mon avis. Perso, mon avis sur ce deck-là, c'est qu'il est vraiment bien. Après, j'ai testé avec la Reine des Archères, tu vois. Donc, bon, c'est pas très réaliste, entre guillemets. Et je vois qu'il y a un tournoi royal, donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc hâte de voir ça, hâte de voir le tournoi royal. En tout cas je le ferai sur Twitch, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, d'abonnements. Et puis je vous dis à la prochaine, c'est Cocteau, ciao.